Bien. Bien. Donc, quatrième partie de Inside, si je ne m'abuse. On continue direct. Bon, je me réserve un petit chocolat praliné. Pour l'instant, je ne l'engouffre pas, hein. Mais s'il me revient un coup de génie, eh bien, je n'hésiterai point. Oh. Ça se casse la gueule! What the hell? Je crois que j'étais mort. Ah non. C'est fait exprès ou quoi? Attends. Ouais, chelou, hein. Prenons pas de risque. Je prends de l'élan. Voilà, c'est bon. Putain, ça freine ces boucans, ces structures. Bon, là-bas, il y a un bouton, on ne peut rien faire. Qu'est-ce cela? Le coffre-fort final. Les lingots sont à l'intérieur. Oh putain, le revoilà, lui! Mais saleté de chevelu! Il va nous gonfler pendant longtemps? Le chevelu aquatique. Alors, on peut ouvrir cette petite trappe. Ouvrons cette petite trappelle. Donc, je vais pas aller dedans. J'ai quand même regardé s'il n'y aurait pas un petit truc à faire de l'autre côté. Ah, ben non, parce que là, c'est le bassin. Bon. C'est le bassin du gros chevelu. On va se remettre là-dedans. Hein. Ah putain, vite. Vite. Oh putain, d'accord, c'est exactement comme la dernière fois. Oh non, non, cette fois-ci, il me suit vraiment. Putain. The die and the retry. En plus, je vois pas bien ce que j'ai mal fait. C'est ça le pire. Je vois pas bien ce que j'ai mal fait. Je fais ça. Alors je run direct, je vais aller par là, peut-être pour gagner du temps. Je vois pas bien ce que je peux faire là. Faut pas que je remonte alors, il faut que je vaille à droite. Qu'est-ce que c'est? Voyons si je vais ici. Ok, là c'est impossible. Oh putain. Ah, t'as pas du tout le temps de remonter, laisse tomber. Non, donc revenir dans ce bassin, c'est impossible. Enfin, dans ce bassin, c'est le même bassin apparemment. Dans cette entrée d'eau, dirons-nous. Je sais pas, je vois pas là. Qu'est-ce que c'est? On est d'accord, de toute façon, je suis obligé d'activer ça pour passer. Bim, c'est fait. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Non, ou alors, faut souvent que j'aille plus vite pour remonter plus vite, mais ça doit être ça. Faut souvent que j'aille plus vite pour monter plus vite, mais j'ai l'impression d'être au maximum. La vache, ça se joue à la seconde près, là, ou... C'est bizarre, ça. Voilà un truc que j'ai pas... Apparemment, on ne peut pas nager plus vite, hein. Quand j'appuie sur les boutons, il se passe vraiment rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à faire ici? Il n'y a rien de caché derrière ce premier bloc en... Enfin, ce truc-là en premier plan. Là, on est bien d'accord, je ne peux rien faire. Ah, ou alors, j'ai une idée alors. J'ai une idée. Je peux l'attirer par là. Et je remonte. Ah. Voilà, c'est peut-être ça. Et du coup, peut-être que maintenant je peux aller de l'autre côté. Peut-être qu'il y avait un truc de l'autre côté alors.
Elle va se ramener maintenant. Aïe, 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 aïe. Ah, mais c'était ça, dis donc. La boule magique! Ah, mais je reviens ici. Mais non, je connais ici. Merde, je vais mourir, putain. Ça, c'est insupportable. Ah, c'est 10 secondes d'apnée, lui. Hein. Ça devait pas être ça. Attendez, il y a un truc que j'ai complètement raté, là. C'est pas possible. Est-ce que là, ça passe? Putain. Non, ça passe pas. T'es vraiment obligé de faire deux coups. Ah, ça passe pas. Tu dois forcément te rebalancer. À la cadence man, balance man. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là? Ils me permettent de revenir ici. S'il me permet de revenir ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai point vu ici. Sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien ici. Et là, je tombe directement. Et oui, non, mais là, je vais faire harceler par machin. Monsieur chevelu qui va me choper. Non, c'est bon, j'ai pu. J'ai une autre idée. Alors, je vais l'activer. Oui. Peut-être qu'en faisant ça, en revenant là-bas, c'est-à-dire je vais le réattirer de l'autre côté, puis je reviendrai ici, et là, peut-être que j'aurai le temps du coup de revenir à la surface après. C'était peut-être ça en fait le truc. On va voir. Donc là, on va rester là. Oh lolo lolo. Le grud, je n'ai pas content. Parce que là, du coup. Putain, s'il faut, c'était ça. Hein. Là, je peux aller direct. Et alors? Mais par contre, en haut, il faudrait peut-être qu'il y ait un truc pour aller. Mais je dois aller où là? Là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas ce que je foire. Bon, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais aller là, je vais quand même l'activer. Ça mange pas de pain. Vite, vite, c'est bon. Bon. Je vais revenir là-bas. D'accord que là. Ah non, non, c'est ça en fait, je dois le faire venir jusque là. Vite. Ah ouais, c'est ça, voilà, ça y est, on y est là. Là, on y est, voilà. Voilà, vu que là, on est dans un autre bassin. Voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est. Eh oui, mais non, parce qu'elle me verra quand même. Et ça, le problème. Enfin, je dis elle, mais j'en sais rien. Hein. Un ou une chevelue. Et le problème, c'est qu'après là, je vais passer dans la flotte. Donc, elle va revenir. Eh oui, donc non, putain. Voilà, eh oui, putain, mais oui, mais non.
Enfin, en plus, elle est déjà là, donc ça veut dire que ça, c'est un script. Putain, qu'est-ce que je peux faire, là? Eh, je pige pas, là. Ou alors il y a un truc à faire avec la grille qu'on voit en fond là. Peut-être que je peux interagir avec cette grille. Je vois que ça. Je vais refaire la même. Et j'ai du mal à voir là. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon. Donc là. Je vais la faire venir par là-bas. Mais non, pourquoi t'as fait ça là? Ah, c'est trop, je vais me faire avoir maintenant, c'est bon. Ah, je vois pas les mecs, hein. Tenter la grille là. Ou alors, ah non, ou alors refermer la porte. Est-ce que je peux fermer? Non. Là, je peux rien faire. Pas d'interaction. Pas d'interaction. J'ai pas l'impression que je puisse refermer la porte. Je réfléchis. Hein. Je réfléchis en même temps. Qu'est-ce que je n'ai point vu? Ou alors c'est en bas qu'il faut aller? Non, en bas il n'y a rien. Ah, oh, j'ai perdu du temps là. C'est bon, ça va aller quand même. Non, en bas il n'y a rien. Putain, mais qu'est-ce que... Ah là là, je vois pas. Je vois pas. Je ne vois pas. Est-ce que je peux refermer cette porte qui est là? Enfin, une porte. Là, je suis en haut, mais... La merde. Bon, mais ça commence bien, hein. Cette quatrième partie sur un beau fail. Je vais persister, écoutez, je vais persister. Hein. Je dirais voir la soluce qu'en dernier recours. Je crois bien que j'ai compris en plus. Hein. Ça y est. Je crois bien que j'ai compris. Je parle de fermer la porte. Mais évidemment que je peux la fermer la porte. Il suffit juste que je rappuie sur le truc. Putain. Ah, c'est grave. Combien de temps il m'aura fallu pour ça? Plus de 10 minutes. Tiens. 10 minutes pour ça. Ça y est, j'ai compris. Putain, c'est grave quand même. Hein. Ah là, je suis sûr que vous avez tous trouvé, dis donc. Ça y est, ça y est. Depuis 5 minutes, je me dis. Comment je pourrais refermer la porte? La réponse, exactement comme je l'ai ouverte, pauvre con! Voilà, je vais le faire maintenant. Et voilà. Et maintenant, évidemment, ça va me permettre de passer. Alors, en fait, c'est exactement la même mécanique que tout à l'heure. Voilà. Putain. Aïe, 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 c'est pas possible. Hein. Alors. Je peux grimper jusqu'en haut là. Ah oui. Oh 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 oh. Oh l'attention là. Oh. Ah, il faut se débattre.
À la Michael Jackson peut-être? Gauche, droite, gauche, 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 droite. Non. Non, bon, oui, c'est fini. Ah non, c'est fait exprès. Non? Si. Ah ben, je suis mort. Oh là là. Ne me dites pas que c'est la fin. Abyss, le retour. Pourquoi j'ai une espèce de truc? Pourquoi j'ai une sorte de machin qui est accroché à mon corps? Ça y est, c'est décroché. Les poissons vont me becter et fin du jeu. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, il va se passer un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Une perle géante. Bon, on est mort. Mais attendez, les poissons vont vraiment nous bouffer. Hein. Il y a un personnage à la droite. Ah ben ça y est, on est ressuscité. Ah ouais. Et les poissons sont devenus mes amis. D'accord. Et j'ai plus besoin d'oxygène. Je suis ressuscité. Et je peux nager indéfiniment sous l'eau. Et les poissons sont nos amis. On est devenu une sorte de poisson, quoi. C'est beau. On est donc le poisson pilote. T'as regardé, il y a encore un de ces bonhommes là qui est accroché par un câble, mais alors lui il est mort. Il y a un truc derrière la vitre. Encore une expérience à tous les coups. J'ai pas tout compris, n'empêche. Il y a la créature chevelue qui nous a emmenés dans les profondeurs des abysses. Apparemment, du coup, elle nous a accroché le câble. Fait un truc à notre corps et maintenant on a la possibilité de nager indéfiniment.
J'imagine que ça devait être intentionnel. Alors pourquoi il aurait fait ça? Alors que les autres nous tuaient? Pourquoi celui-là nous aurait-il aidés? Je ne sais pas. Ah, j'ai pas envie de parler là. Je me laisse bercer par l'ambiance sonore mais aussi le visuel. On va pouvoir rentrer là-dedans. Je visite. Il y a une capsule. Non, il n'y a rien. Ah, attendez. Quoique. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh? Attendez, attendez, attendez. Alors peut-être qu'il fallait passer par là. Attendez, mais du coup, moi j'ai presque envie de revenir là-bas alors. Parce que ça veut dire que là-bas il y avait autre chose. Est-ce que c'est le chemin principal ou c'est un petit truc annexe? Ah, je sais pas, on va voir. Je continue de parler un petit peu, mais... Mais qu'est-ce que c'est ces boules? J'ai rien compris au jeu, là, c'est impressionnant. C'est encore une boule comme ça qu'on détache. En fait, j'ai l'impression que ces boules, c'est des trucs annexes. Ces boules, ces trucs annexes, en fait, il faut les trouver. Ouais. Parce que vous voyez, je suis là et là, je vais être bloqué. Ouais, ça doit être ça. Bon. Il y a des boules magiques à déconnecter. Être le cœur du système de ce laboratoire. J'essaie de comprendre. Je me dis peut-être que c'est une espèce d'IA qui a pris le contrôle, mais étant donné que parfois on voit des humains, c'est peu probable. Pour l'instant, j'ai eu mal à mettre des mots sur ce que l'on vit. En tout cas, c'est magnifique. C'est une belle aventure là. Très prenante. Ah, il s'ouvre plus? Bah alors. Ah, mais ça y est, il s'ouvre là. Passe entre. Oh! Oh! Coupé en deux. Slack! Direct. Alors ça voilà, ça c'est une mort, faudra m'expliquer comment on peut l'éviter quand même. Bon, on voit clairement que les hélices ne tournent pas. Donc là... Ah ouais, il y a un truc à faire ici. Maintenant. Ok. Ah oui, en haut. On peut m'accrocher là? Ah oui, c'est bon, ok. Oh putain, la vache!
peux aller en haut? Oui. Oh merde! Oh putain! Ah mais oui, j'ai là, j'ai bien vu qu'il y avait une lumière, mais ah putain, je pensais pas que c'était un piège, moi. Je me suis dit, c'est juste un projecteur, c'est un truc qui est éclairé. Aïe, 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 aïe. D'accord, c'est ma faute. On va attendre ici. Voyons. Je sens pas très 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 bien pour ma poire. Ma poire. Attendez, il fallait que je le remette après? Je pense que c'est une histoire avec l'ombre. L'ombre du bloc. Mais on pouvait à peine le bouger. Ah mais quel con! Eh non, je suis foutu, allez. Non, m'attrape pas, saloperie de ressort! À quoi ça sert que je le descende, ce machin? Est-ce que je peux le faire de l'autre côté? Ah, voilà. C'est plutôt ça, en fait, qu'il faut faire. Hein. Mais voilà. Oh merde! Oh le con! Ah mais oui, mais non! Ah oui. Là, je suis con. Je pensais que j'étais obligé du coup de revenir complètement à gauche, mais non. Même en le levant, il suffit juste de regarder où est l'ombre. Et ça suffit. D'accord. Donc c'est ça. En fait, il faut le tourner, mais de l'autre côté. Et oui. Sinon, je me disais... À quoi cela? Je suis con. Je suis con! À quoi cela rime, matelot? On est bon là. J'aurais dû y aller. Non, je dis n'importe quoi, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est où l'ombre? C'est là. Attendons qu'ils reviennent, hein, parce que là. Voilà. Là par contre j'ai pouvoir. Ok, on est pas mal. Oh, c'est bon, go. Parfait. Non, je peux pas y aller. Non. Putain, qu'est-ce qui c'est ça? Je peux pas y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut encore que je le tourne. J'ai encore le tourné, je pouvais pas en fait. L'échelle n'est pas finie. Ah oui, d'accord. Il fallait vraiment le faire à fond, hein. Peut-être que là ça va aller du coup, ça va me permettre d'aller dessus. Je l'ai pas fait à fond donc je sais pas, mais on va voir. Oui, ok, c'est bon. Ouh! On est bon. Mais qu'est-ce que ces espèces de turbines géantes? Quel est cet endroit? Là, il va falloir bien viser. Pile poil dans le trou. Attention. Bien joué, Milou!
Du coup, est-ce que là j'ai aussi l'oxygène infini? Ah oui, là aussi, d'accord, c'est. D'accord. Maintenant, on peut vraiment nager à l'infini. Mais c'est parfait, tiens. Parce que franchement, pouvoir nager seulement 10 secondes, enfin, rester sous la flotte 10 secondes, c'était assez insupportable. Cela dit, j'aimerais bien comprendre pourquoi la créature, du coup, nous a aidés, ne nous a pas tués, alors que les autres nous tuaient. Y a que dalle dans ce réservoir là. Je peux remonter du coup, non? Ah ben voilà. Ah, attendez, du coup je me dis qu'il y a peut-être un secret là. Parce que pour qu'il nous fasse venir complètement en bas, j'essaie de mieux regarder, mais c'est tellement sombre. Après j'ai un re... Attendez, vous savez quoi? Je vais éteindre ma lumière. Ah, ah voilà. Voilà. Là j'y vois un petit peu mieux. Parce que c'est vraiment hyper sombre. Alors, est-ce qu'il y aurait un truc à faire? Non, je vois vraiment rien du tout. C'est marrant que les poissons comme ça nous suivent maintenant. Bon, soit un truc à faire avec eux tôt ou tard, de toute façon. Hein. Une énigme ou une connerie. Ben non, en fait, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. J'essaie un petit peu d'analyser les décors pour comprendre, mais. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, attends, il y a un trou là. Je peux y aller là? Ah oui, je pouvais y aller. Réfléchissons. Malheureusement, on n'a pas d'arbre, on ne peut pas faire le test des néons. Dommage. Alors, on dirait des VHS géantes, quoi. Alors, il y a encore un coffre-fort ici que nous pouvons ouvrir. Ah, ben, on se retrouve là, d'accord. Oh, c'est son pour faire venir les poissons, du coup. Ah, oui. Ah, ils vont nous faire le même coup que les poussins, hein. Ah oui, ça je le sens. Parce que là, du coup, ils me suivent. Donc si je vais là, ils vont certainement me suivre. Ben, c'est le seul intérêt d'être venu. Ah non, ils me suivent pas là. Ah non, ils me suivent pas. Ben, alors quoi ça a servi? Bon, je sais pas. Écoutez, je vais remonter. Bon, il y avait un bouton. Nous allons appuyer dessus. On va voir ce qui va se passer. C'est la petite surprise. Ah d'accord. C'est rigolo, mais ça c'est rigolo! On va le laisser ouvert. J'espère que je meurs pas. Non. Mes pauvres petits tibias. Mignon. Tiens, prends ça. Et prends ça, saloperie. Et tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Attends encore, hein. T'en redemandes. Bon, c'était rigolo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je vais l'éjecter, c'est ça? J'ai peut-être fait trop tôt. Loul, il allait vachement haut là. T'es. Je me doutais que c'était ça, je sais pas pourquoi. Ça m'a paru assez limpide directement, dis donc. Du coup, on va pouvoir s'en servir ailleurs. Mais où? Je n'en ai aucune idée.
Et en plus de ça, vu que là je dois reprendre l'échelle, ça ne me sert à rien. Attendez. Il y a un truc que j'ai pas pigé là. Voyons. Je réfléchis si ça pouvait avoir une autre utilité, mais je ne pense pas. De toute façon, généralement, les énigmes n'ont qu'une seule solution, donc ça devait être ça, mais quel intérêt pour moi, sachant que je ne peux pas le prendre avec moi. C'est très étrange. Est-ce qu'il fonctionne comme ça? Voyons. Ben ouais, mais je peux prendre l'échelle aussi, on est d'accord que l'échelle fonctionne. What? Bon. C'est peut-être pour pouvoir ressortir là. Putain, attendez, je comprends pas là. Parce que si j'éteins là, ça n'a rien fait à côté. Ça m'étonnerait. Mais non, ça c'est toujours là. Ben non. Pour l'instant, je ne vois pas. C'est bizarre. Ouais, je sais pas. Coup, je suis obligé. Et comment je vais faire? Ah mais d'accord, ça y est, d'accord. Maintenant je comprends pourquoi on a débloqué le passage à gauche, c'est pour pouvoir revenir. Parce que sinon je suis bel et bien bloqué. Donc voilà à quoi ça sert. C'était pas pour faire venir les poissons. C'est seulement pour remonter en haut. Voilà, c'est ça. Ouais. That makes sense. Ouais. Du coup. Loul. Et peut-être le refermer maintenant, hein. Ça évitera de refaire la même stupidité. Ça, c'est le genre de personnage qu'on a dans Ico, quoi. C'est une sorte d'avatar garçon, quoi. Et qu'on aura, je pense, dans Last Guardian. Un petit peu ça, quoi. Oh putain, j'ai même pas vu qu'il y avait ça, dis donc. Alors. Ouh. Ah non, je pensais qu'il allait tout en haut, lui. T'arrêtes là, je vois pas bien l'utilité. Mais là, je peux aller tout à droite. C'est bizarre, j'arrive pas à combien les trucs en haut. En fait, ces espèces de blocs, ils tiennent des trucs en hauteur là. C'est encore des expériences, ça. Oh non, je vais être bloqué. Oh non! Oh putain! Oh non! Ah oh, bordel, alors attendez. Est-ce que je peux interagir avec les blocs? Je peux pas interagir? Oh merde! Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que j'ai raté alors? Là je peux rien faire. Là je peux rien faire. Là je peux rien faire. Mais non, je peux rien faire en fait. C'est avec ça du coup qu'il y a un truc. Alors, attends. Je rêve ou il va plus ou moins haut lui? Là il va là. Quand je suis dessus. J'ai l'impression qu'il va moins haut, mais ça sert à rien.
Et merde, il y a un truc que j'ai pas pigé, une fois de plus, une fois de plus, et je suis sûr que c'est limpide et que vous avez déjà trouvé. Non, non, mais c'est la caisse du bas. Je comprends pas. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Wow. Y a pas un truc que j'ai raté ici quand même. Je n'y vois rien. Là, on est carrément bloqué. Ah non, mais parce que j'ai sauté de là-haut. Eh oui, j'ai sauté de là-haut, donc. De toute façon, non, et là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interaction. Donc, on est d'accord que tout est là. Tout est là. J'ai raté quelque chose. Là, j'ai raté quelque chose. De mieux comprendre. Bon, je vais redescendre. Ah oui, sauf que maintenant je suis obligé de repartir à gauche, vu que maintenant je l'ai fermé. Je vais fermer ce truc-là. Je peux pas fermer la porte, là, c'est pas interaction ici, non. Bon, on va redescendre. On va redescendre. Je n'ai pas le choix. Avec les poissons, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas leur dire de m'accompagner. Venez avec moi, les poissons. Vous allez m'aider à porter une caisse. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Aïe. C'est la caisse, hein. C'est la caisse, là. Ça, c'est pour le truc du haut. Pour l'instant, je vais le laisser fermer. Non, mais c'est ça, en fait, hein. J'ai dû me gourer, hein. J'ai dû me planter, hein. Voyons. Ah, si, ça y est. Ça, je crois que j'ai compris. Hein. Je crois que j'ai compris. En la mettant ici, là, évidemment, sur la tranche, peut-être que ça va réussir à la propulser de l'autre côté. Ah, putain, le con. Ah, je pense que c'est ça. Ah, quoique ça paraît un petit peu loin, mais ça peut être ça. Oh là là! Ah, quel con! Ah putain! Ah ouais, pas mal. Ah, pas mal, mais il fallait le voir. Hein. Pas mal, mais il fallait le voir. Hein. Putain! Eh oui. Elle s'est fait propulser là-bas. Ok, c'est bon. Donc, d'accord, j'ai la caisse. Mais. C'est que ça me sert pas à grand-chose parce que. Est-ce que c'est pour revenir là-haut par là? Ça n'a aucune utilité. En fait, et alors? Et alors? Je peux pas interagir avec quand je suis dessous pour genre la faire basculer à droite ou à gauche. Putain! Quoi ça a servi? Alors, je peux fermer ici. Et le refaire, mais on est d'accord que ça n'a aucun sens.
Voilà. Alors évidemment, après, je peux la faire venir à gauche, mais enfin, c'est évident que c'est pas ça. Surtout que bon, à gauche, je peux peut-être, je suis même pas sûr, je peux la faire tomber dans la flotte. Là, ici, à mon avis, là, elle va être coincée. Et même si je la fais tomber là, ben, elle va aller en bas. C'est dingue, hein? C'est dingue de pas voir la solution quand même, alors que. Elle doit crever les yeux de beaucoup d'entre vous, mais. J'ai du mal. Voyons. J'ai pas le temps de façon de l'activer pour genre faire ça et ça n'aurait aucune utilité. Je vois pas en fait, je vois pas quelle utilité. Je vois pas. Qu'est-ce que j'ai raté là? Vache. Écoutez, je vais quand même essayer. J'ai quand même essayé. Peut-être que dans la flotte, je peux la porter. On n'a jamais eu de caisse comme ça dans la flotte. Écoutez, peut-être que je peux la porter et la faire revenir en haut. Je pense pas, hein. À mon avis, c'est complètement improbable. Puis là, si on a une trappe ici, c'est bien pour qu'on puisse s'en servir. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça te bloque ici. Moi, je vais l'utiliser là, mais c'est stupide, hein. Faut juste réussir à mourir, quoi. Voilà. Bon. Peut-être le néon est. Allez, je tente les deux néons. Là, je n'ai plus de solution là. Je tente le néon. Bon, je vais tenter le néon qui est cassé. Même si j'y crois pas du tout, cela dit, c'est le. Peut-être que le fait qu'il soit cassé, c'est un indice. Non. Je vais quand même pas aller dessus par là. Oh, attendez, presque. Attendez, attendez, attendez. S'il faut, c'est ça. J'y crois moyen, mais vu que je vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre. Non. Non. Putain de merde. Aïe 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 aïe, je vois tellement pas. Ah, je vois tellement pas. Je vois tellement pas. J'ai retenté un coup sur l'autre néon. Mais bon, je vous cache pas que là, je n'y crois plus. Non. Non, non. Bon. Ben là, je vous. C'est énervant. C'est énervant. J'ai pas envie d'aller voir une soluce. Je l'ai pas fait jusque-là. Ce serait. Humiliant. Mais ça m'énerve! Ça m'énerve! Putain, mais quoi ça sert? À quoi ça sert? Quoi ça sert? Thank you.
Putain, je ne comprends pas. Là, je suis perdu. On voit des trucs bizarroïdes en hauteur, mais... Ah, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bouton. Je peux pas l'atteindre comme ça. Ah, les mecs, je vois pas. Aïe aïe aïe, ça m'énerve. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout là. Ah non! Il faut que j'aille voir une solution, sérieusement? Sérieusement? Vois pas du tout ce que je peux faire. Et non, je peux pas interagir avec ça donc. Ah, je vois pas. Eh non, là je ne vois pas. Bon, bah écoutez, je suis bloqué. Je vais aller voir une solution parce que là. Ou alors c'est là-dedans qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Mais bon, j'y crois pas là. Hein. Je vais longer la paroi en essayant de voir s'il n'y a pas une interaction. J'ai pas un truc à ouvrir, une connerie. Mais je ne vois pas. Non, non, mais il n'y a rien. Hein. Non. Bon, bah écoutez, là, vraiment. Je vais donner ma langue au bon gros chatonou parce que... Ah, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ça n'a aucune incidence. Je sais pas, je comprends pas là. Ouais, bon. Écoutez, tant pis, hein. Ça fait 30 ans qu'on est là, je vais aller voir une solution. C'est un peu honteux, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'y arrive pas. Ouais, bon. Écoutez, je vais voir une solution et puis je vous reprends de suite après. On va faire ça. Bon, on est de retour, hein. Dégoûté. C'était une connerie. Une connerie! C'est-à-dire que. En fait, il faut juste foutre la caisse là et activer le. Et l'activer, puis en fait refermer la trappe après. Parce que, du coup, selon ce que j'ai vu, quand on est dessus, la caisse va moins haut que quand il n'y a personne dessus. Et voilà. Moi, évidemment, je pensais que la caisse s'arrêtait là, donc. Bah, je me disais à quoi ça sert de fermer ou pas la trappe, quoi. Mais en fait, si on active la caisse et qu'on n'est pas dessus, elle va aller plus haut. Et voilà.
Du coup, évidemment, après, on referme. Je me suis fait... Attendez. Il y a un petit problème, mais c'est ça. Hein. Je me suis fait avoir comme un petit scarabée des îles. Et voilà. Maintenant, évidemment, je vais revenir de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Je suis dégoûté, franchement, de m'être fait avoir, d'être allé voir une soluce pour ça. Ah, pour ça! Ouais, et puis au fond, c'est ma faute. Hein. Voilà, c'est ma faute. Y a rien à dire. Entièrement ma faute. J'aurais dû un tuitané. Je n'ai pas un tuitané. Je n'ai pas un tuitané. Oui, c'est logique hein, que la, les caisses vont moins haut quand il y a quelqu'un dessus, quand il y a du poids. That makes sense. Je me suis fait eu. Bon. Donc par contre, maintenant, que faut-il faire? Est-ce que je dois la mettre dessus? Moi je verrai bien ça. J'active ça. Je vais là, je vais dessus. Ça j'active maintenant. Je pense que c'est ça, sauf que j'ai pas le bon timing. Mais je pense que c'est ça. Sauf que là non plus, on va dire je veux pas du tout. Non, ça va pas en fait. Attends, est-ce qu'il faut que je fasse. Attends, il faut que je fasse laquelle en premier du coup. Je fais ça. Je l'active. Je la pousse. Je remonte, voyons. Eh ben voilà, tiens. On est en apesanteur là ou. Ils sont vivants. D'accord, lui, il lui manque une jambe. D'être ça. Le réacteur. Oh là, tu tombes où toi? D'accord, en fait c'est la flotte qui est en haut. D'accord, la flotte est en haut. Ah mais ici aussi il y en a un. Bon, j'imagine qu'il va falloir utiliser ces espèces de réacteurs là. Ça doit être ça. La flotte est en haut. D'accord, c'est inversé. Ok, s'ils veulent. D'accord, c'était ça ce que je voyais depuis tout à l'heure là en haut. C'est en fait de l'eau et des bonhommes comme ça. Donc là, si je vais là, je tombe. Mais je vais tomber trop haut. Donc je ne peux pas retomber de là. Bon déjà on va faire l'autre parce que c'est évident qu'on va devoir les utiliser du coup les deux. Ah non, ou alors c'est juste pour ouvrir ça alors. Ah, attendez, attendez, attendez. Bon pour l'instant je visite. Peut-être qu'on ne doit rien utiliser du tout et que c'est juste pour ouvrir cette trappe. Bon, voyons, si je vais dedans, il se passe quoi? Il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. Je pense que ça, c'est la suite normale. Et vous savez quoi? J'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir... je me demande si on peut pas utiliser les deux trucs qu'on a foutus en bas. Je sais pas. Le fait que ça soit tombé comme ça, de telle façon, me dit que peut-être qu'on peut les utiliser.
Je veux juste voir ça. Attendez, oui, mais est-ce que je peux revenir au moins? Ah, peut-être que je peux même pas revenir. Attendez, attendez. Ah, mais non, je peux même pas revenir. Parce que si j'essaie de revenir, je vais mourir direct. Voyons si je tente d'aller à gauche. Et ça, c'est quoi ça? Attendez, quoi que, c'est quoi ça? Ah non, peut-être là. Je meurs aussi. Je suis mort? Ah non. Ah, ben non, 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 non. En fait, je pense que les deux réacteurs, c'est des conneries. Non. Non, non, je pense qu'en fait, il n'y a rien à faire avec cette histoire. Non, non, en plus, il nous remet là, donc ok. Non, non, c'est le chemin principal. D'accord. Il n'y a rien à faire avec les deux trucs qu'on a virés des deux portes. Bien, non. Une mauvaise intuition de ma part. Je suis un petit peu dégoûté quand même, hein, d'avoir fail sur ce truc. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure là. Alors ici, il n'y a que dalle. Ah, attendez, je peux transporter ça. Ok, donc ça, c'est évident que ça va servir. Vous savez quoi? Je vais le prendre direct, tiens. Parce que de toute façon, je peux pas parier qu'il faudra s'en servir tôt ou tard. Et vu qu'il est à gauche, on va certainement... Oh putain, s'en servir à droite. Ah. Oh là. Ah, mais ça a été... Ah, c'est énorme comment il me chope. C'est énorme. Depuis le début, je me cache de tout le monde et tout. Puis là, il y a un petit bonhomme. Oh, petit chenapan, je t'ai vu. Viens par là, ça y est, je t'ai attrapé. C'est énorme. Il faut que je me cache, d'accord, ok. C'est vraiment étrange. Donc là, en fait, ils ont je sais pas, on sait pas ce que c'est, des cobayes, des expériences dans une cage. Ils les embarquent. Et il y a un bonhomme avec un garçon. Est-ce que c'est son fils? Écoutez, on va s'arrêter là. C'est sur cette incroyable cutscene qu'on va se quitter. J'espère quand même qu'on va nous expliquer tout ça à la fin, parce que si ça se finit encore en queue de poisson, comme à peu près 99% des jeux de ce genre, je risquerai de mal le prendre, hein? C'est une possibilité. Voilà. Écoutez, petite pause ici. En tout cas, ça me plaît vraiment. Ce jeu est réellement bon, hein. La vache. Game of the Year! Allez, petite pause, rendez-vous dans le prochain épisode.